on nous a toujours reproché à nous, l'opposition, d'aller aux élections en rang dispersé. Ça y est, cette fois-ci, nous y allons en rang bien resserré pour neutraliser le Parti socialiste. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous coaliser pour faire tomber ce despote qui gouverne un pays sans partage. On dit une seule, mais pas attachée, un fagot. Bien que transfuge du Parti socialiste, c'est en mon âme et conscience que j'ai choisi de rejoindre cette coalition. Et c'est la meilleure chose à faire à l'instant pour créer un réel contrepoids à la domination sans partage du Parti socialiste. Tous unis contre le Parti socialiste. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Madame la Présidente. Élie n'est pas encore là? Non, Madame la Présidente. Mais il est où? On a pourtant des sujets très importants à débattre. Arrêtez de nous déranger pendant nos ébats amoureux. Elle fait une attaque. T'as décroché mon téléphone? Je croyais que c'était le mien. Mais comment ça, tu reconnais pas ta sonnerie? Mais on a la même sonnerie. Mais est-ce qu'on a le même téléphone? Merde! Salut chérie. Tu oses m'adresser la parole? Tu m'as l'air bien agressif. Que se passe-t-il? Je t'ai vu à la télé tout à l'heure. C'est pour ça que tu te mets en rogne comme ça? Comment tu peux t'allier à ces deux-là? Regarde-les. Ils sont vieux. Ils sont has-been d'un autre siècle. Et qu'est-ce que leur âge a à voir avec tout ça? Si. Ça à voir, ce sont les dinosaures. Camdem seul déjà, c'était trop. Et avec ces deux loups dingues là, ça n'est de trop. Mais je te comprends pas. Oui, je te comprends pas. C'est toi qui as voulu que je prenne les choses en main, je crois bien. Et c'est chose faite maintenant. Oui, mais pas comme ça. Laisse-moi te dire que tout est réuni pour que vous perdiez. Et pourquoi? Ce sont les éternels perdants. Cette fois, ce sera différent. Avec moi, ils réussiront. Soit, comment tu expliques moi, ta femme? J'apprends ça à la télé comme tout le monde. Tu me déçois. Ah, je te comprends plus finalement. Je fais ton genre, voulant, ne voulant, pas voulant.
Pourtant, tu dis croire en moi. Et subitement, là, tu me dis paf, je te déçois. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Oui, je croyais en toi. J'ai vu ton ascension dans le parti. Je te croyais vraiment ambitieux et me voyais déjà première dame et au pire, femme de ministre. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout brisé en un clin d'œil. Je me rends compte que tu n'es pas un bon époux pour mes ambitions. Maman, ton attaque a été bien moins sévère qu'on aurait pu l'imaginer. C'est certainement dû au stress et à la fatigue. Il faut te reposer, maman. D'accord. Docteur. Plus de peur que de mal. Maman, je vais devoir te laisser. Mais repose-toi, maman, je t'en prie. Je ne veux pas te perdre. Je ne vais pas mourir, ma fille. Je n'ai pas de mère. D'accord, j'ai compris. Je ne vais pas mourir. Crois-moi. Je suis vraiment désolé, Maggie. Tu n'es pas différent d'un cochon qu'on sert dans un plat en or. Enfin, Maggie. Regarde-toi, Ellie. On a beau te laver, te parfumer. Tu retournes toujours dans la boue. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Je viens de te dire que je suis désolé. T'as pas besoin d'être aussi méchante, Maggie. Qui est méchante? Moi, méchante après tout ce que j'ai fait pour toi? On est en pleine réunion de crise. Tu t'amouraches avec une autre femme. Maggie. Ellie, mets-toi hors d'ici. Attends, mais écoute-moi au moins, Maggie. Sors de chez moi, Ellie. Théa! Il est parti de vrai. Ce n'est plus Ellie que j'ai connue. Il devait rester pour me consoler. Tu fais quoi là? Comment ça? Mes enfants sont où? Ils sont sortis. Pour aller où? En promenade avec leur grand-mère. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que tu vas les récupérer. Mais c'est aujourd'hui que je dois les récupérer, tu le sais très bien. Ils sont allés où? Tu les récupères pourquoi? Arrête, voilà. Tu vas où? Hey, Henri, tu me brutalises. Donc tu es maintenant garçon. Tu étais censé les prendre pour une journée ou pas? Je t'ai dit... Ouais, réponds par oui ou non. Ce n'est pas compliqué. Ce sont aussi mes enfants. Regardez-moi ça. Toujours aussi fourbe. Hein? Menteuse comme ça. Hé, Henri, je ne te permets pas de venir m'insulter chez moi. Si j'appelle le voisinage là maintenant, on va te lyncher ici comme un chien. On ne peut pas se reposer en paix dans cette maison. Ah, bonjour grand Aoudou. Bonjour, Henri. Pourquoi on doit vous entendre dans toute la maison? Je suis venu récupérer mes enfants. Et elle me dit qu'ils sont sortis avec la grand-mère. Effectivement. Les enfants sont en balade avec leur grand-mère. Tu peux repasser, non? Non. Je les veux tout de suite. Fais ton sale possible. Hé hey! Henri. Attends. Tu
fais partie de ces brutes qui s'expriment devant les femmes avec des coups de poing? Tu es de cette nature-là? Non, mais... Henri, mets-toi dehors, s'il te plaît. Ah, c'est votre plan? Ma mère a besoin de ses petits-fils aujourd'hui pour une réunion familiale. Et je lève tout de suite. Henri, ne me fais pas perdre patience. Mets-toi dehors. Fils de Daganan! Maman, j'ai marqué un grand coup. Comment ça? Elimba est venue s'excuser pour avoir manqué le rendez-vous avant-hier. S'il est venu jusqu'ici s'excuser, ça veut dire qu'il tient à toi. Mais je t'ai toujours demandé d'être patiente avec lui. Tu as raison, maman. Il a dit qu'il m'épouse après les élections. Sérieux? Il était très sérieux. Oui, voici. Alors. Ah ouais. La maman de la première dame, de la région, de ma. Figure-toi que quand on s'embrassait, son téléphone a sonné. J'ai décroché sciemment. Ne me dis pas. C'était certainement sa femme au téléphone. J'ai demandé qu'on nous laisse nous amouracher. Ne me dis pas. Et vu la façon dont il s'est fâché quand j'ai décroché le téléphone, je suis sûre que c'est sa femme qui était au bout du fil. Je suis sûre qu'en ce moment, le feu brûle dans la maison là-bas entre eux. Waouh! Ça veut dire que tu as marqué un bon coup. Ça, c'est bon, ça. Peut-être qu'après les élections, je ne serai pas sa deuxième femme, mais je serai son unique épouse. Oh mon Dieu! Ouh! Ça veut dire que tu écoutes et exauces mes voeux. Après ce mariage, regarde-moi. La belle-mère du gouverneur. Mais j'aurai tout un quartier à moi. Garde rapprochée. Et si une mouche insolente te passe par là, tire sur elle. Waouh! Tu es valable, ma fille. La digne fille de sa mère. Mais oui. Ah bah. Alors, je pense que c'est trop léger au début là. Ce qui marque les gens dans un discours, c'est la première impression. C'est pas faux. Fais-nous donc une proposition. C'est quoi ça? Tu portes un carton et tu es fatigué comme ça. Où sont les autres cartons? C'est tout, président. C'est tout comment? Mais c'est tout ce qu'on a imprimé, voilà ça. Mais c'est pas possible.
Je pense que c'était une erreur de donner ces travaux à l'imprimerie régionale. Hélas, c'est comme ça que le système fonctionne. Sois plus clair. Le système se charge de maîtriser l'imprimerie régionale, financée par l'État, bien sûr. Et tout opposant qui a le malheur, je dis bien le malheur, de leur confier les travaux sans mordre les doigts. Eh oui. Mais l'imprimerie régionale a été rendue autonome. Normalement, elle ne doit plus fonctionner aux ordres de l'État. J'ai bien dit normalement. On est aux Uilantes, mon frère. Plus précisément dans la région de Makoa. Tu as oublié peut-être. Autonomie. Ce ne sont que des mots. Un écran de fumée pour les naïfs. J'espère que tu n'en es pas un. De vrais Kounafés. Eh bien, je te le fais pas dire. Comment tu l'as remis à sa place, celui-là? Et grand frère, tu m'as surprise. Hein? Comment ça? D'habitude, tu ne te mêles pas de mes problèmes avec le père de mes enfants. C'est l'impression que je te donne. Maï, tu es ma sœur. Et je ne vais jamais permettre que quelqu'un te manque de respect. Surtout pas devant moi. Et encore moins cette brute épaisse d'Henri. Il se prend la tête parce qu'il a un peu d'argent maintenant. Quel argent? Et même s'il avait tout l'argent du Zuiland, ça ne lui donne pas le droit de manquer de respect à ma petite sœur. Mon grand frère chéri! Ah, j'ai trop aimé comment tu l'as humilié. Mais grand frère, ça m'a appris quelque chose sur la vie quand même. Quoi ça? La famille est vraiment sacrée. Je suis désolée si je te manque souvent un peu de respect. Maï, tu es ma petite sœur. On peut se batailler, on peut se bagarrer, tu peux m'insulter comme tu veux. Mais devant les gens, nous devons rester soudés. Yali. Tu as raison, Yali. Mais tu dois penser à te marier quand même. Pour suivre l'exemple de qui? Toi, c'est différent. Tu es un homme. Et il te faut une femme dans cette maison. Moi, je suis fatiguée de laver le sol, faire la lessive, faire la vaisselle. Ah. Maï. Donc, tu veux une ménagère. Et tu veux que ma femme à moi, à Oudou, soit ta ménagère. Maïmouna, il faut cesser de rêver. Je t'ai apporté des fruits. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Je suis agréablement surprise de te voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Le docteur dit que c'est la fatigue, le stress lié au travail. Je me suis évanouie en pleine réunion. Et tu ne te souviens de rien? De rien du tout. En tout cas, tu as intérêt à vite te remettre. Parce que tu es comme une mère pour moi. Celle sur qui je compte pour éliminer toutes les tisas de mon mari. C'est un honneur pour moi. Tu t'es comportée envers moi comme telle. Ton conseil la dernière fois et ton engagement à surveiller mon mari m'ont permis de voir la vie autrement. Je ne peux qu'être heureuse pour toi.
Et la meilleure, c'est que j'ai décidé de me battre pour mon mari, pour ma famille, pour mon foyer. J'avais déjà abdiqué, mais grâce à toi, j'y crois plus que jamais. Et je suis prête pour la campagne électorale. Désormais, toute femme qui se mettra sur mon chemin va me trouver. Du moins, va nous trouver, parce que toi, tu es entrée dans la bataille pour mon bonheur, maman. Excuse-moi, de temps en temps, j'ai de la migraine.